Thank you.
N'a pas salué au Fred Pop et puis n'a pas remercié pour l'invitation qu'on toujours fait nous-mêmes qui sommes sur ce panel-là, spécialement jeunes, ou bien nos opportunités pour nous dire ça, nous penser, ça, pour nous exprimer, voir nous, pour tout si là, qui pas gagné opportunité, parler. Alors, c'est une belle occasion que Radio Télé Solidarité toujours ben nous, pour nous capables partager expérience nous, partager connaissances et puis partager surtout ça nous est comme monde. Et après-midi, nous contents de recevoir nous-mêmes jeunes sur le panel ça. Et moi, je demandais Fred Tob, avant même nous commencer dialoguer sous thème que nous choisissons aujourd'hui, que c'est géopolitique, et nous allons parler d'économie, et nous t'a demandé pour le passer pour nous et une vidéo qui est racontée à partir de Somme 104 en anglais. Côté pape là, a invité nous à une conversion écologique intégrale, à inscrire nous dans Laudato aussi pour nous capables de faire des pas vers l'environnement, des pas vers une relation sereine, une relation équilibrée avec environnement nous, avec le monde qui est entouré nous. Alors, on a pris un petit temps pour nous contempler, pour nous coûter, prier ça. Qui c'est en prière qui invite nous à la contemplation de la nature, de l'environnement. Thank you.
C'est une opportunité que nous gagnons pour, à travers l'image Sayo, nous découvrir combien nature a besoin de nous. Et genre, le monde a tant de nous-mêmes qui jeûnent notre transformation. Nous connaissons le risque que nous vivons aujourd'hui très élevé au niveau climatique. Eh bien, Pape François, invitez-nous à la conversion écologique. Et ça parle d'un pile d'implication dans la façon dont nous vivons, dans l'attitude dont nous supposons prendre pendant 7 années, ça, que l'Église, là, avec Papa, a lancé 7 années pour nous capables de vivre, transformer la planète Terre, la maison commune que nous gagnons, qui est la planète Terre. Nous disons, nous souhaitons nous bienvenue dans la rencontre après-midi, qui est une vraie rencontre côté nous-mêmes jeunes. Nous pourrons exprimer tout ça, nous t'aurons dit, sur un thème qui est important, parce que la fois dernière, moi, nous tout a manifesté, et vraiment, y a une préoccupation sur Jean Maudlan pour aller là, et spécialement dans le problème que nos jeunes yo a confronté, surtout problème économique. Nous pourrons parler de un thème ça qui est très important, que nous les géopolitiques. Parce que nous rendons compte que l'histoire, nous, tant que l'histoire, monde, chargée avec un paquet de violence que nous sommes capables de dire, qui est presque généralisé, qui manifeste sous plusieurs formes chaque jour dans la vie, nous, qui demande un pile d'efforts pour nous collaborer dans la construction du monde, ça, côté la paix supposée, blahi, pour l'autre génération qui vient pour venir après nous, qui capable de vivre. Yon vie côté vraiment violence pas doué yon modèle politique avec et qui lui t'a supposé pas un modèle non plus pour la paix. Soit pour yon raison ou bien pour yon l'autre, c'est yon nécessité pour nous vérifier qui cause phénomène violence ça qui a ravagé monde là. Qui cause? C'est ça n'a demandé pour qui ça nous-mêmes nous impliquer dans une situation pareille. Qui gens nous ka contribuer pour nous contrecarrer toute cause violence qui nan monte ça commencer en dans la caille nous dans pays nous pour nous river généraliser le côté de toucher monde là nan transformation profond à critique monde la traverser jour en jour tiens li nécessaire pour nous identifier une série catégorie réflexion pour éviter simplification ou généralisation situation actuelle yo à travers un ensemble d'analyses que nous ca considérer tant qu'ou yon hypothèse nulle au départ nous pas gon vraie hypothèse ou bien nous identifier relation entre phénomène complexe et diversifié yo parce que tout ça n'a vive jodi an dans monde que réel que n'a vive là c'est un monde qui complexe c'est un monde qui très complexe. Alors, politique mondiale là paraît sous plusieurs formes de conflits qui capable changer rapport nous dans relation diplomatie yo. On imagine que politique mondiale là ta chita tout bon sous une politique réelle que nous ta relé pain pour tout le monde ou bien manger pour tout le monde. Pour nous ta comprendre politique ça tant qu'on réconciliation planète Terre ou tant qu'on reconstruction tissu social déchiré. Ou bien yon prise de conscience tout bon. Yon monde qui fonde sur respect, écoute, sur attention pour ça qui n'a besoin. Yon monde côté gen justice, dignité pour tout le monde. Yon monde côté qui gen partage. Nous choisissons parler après-midi de géopolitique. Qui sa géopolitique là? Géopolitique d'abord c'est une discipline qui étudie et aborder situation politique yon pays et associer li ak géographie qui implique l. Nan niveau international, ça c'est point de départ qui pi important, surtout si nous considérer péripéties qui en pile peuple a subi à cause de imposition, conflit ak la guerre dans monde là et qui kounye a persisté dans certains parties de la planète là.
qui détruit maison commune nan, que nous relè planète Terre, qui empêche nous vivre la vie nous en paix. Inégalité que nous wè entre yon pourcentage minimum riche qui kembe richesse monde lan ak yon gros masse pauvre kap essaye survivre gen racine li nan injustice sociale la qui te causé par structure économique que nous relè néolibéralisme yo te créé. Et puis doctrine l'église sociale l'église relè structure péché. En bref, nous vin di conscience nous plus conscients que injustice produit pauvreté. Injustice produit inégalité. Injustice produit grand goût, migration, exclusion. Situation précaire ça yo, c'est normalement terrain fertile pour toute qualité violence. Et c'est peut-être ça, non seulement il détruit harmonie avec la paix, mais tout li déstabiliser écosystème d'air. Géopolitique lan, qui c'est un sujet étude dynamique et interdisciplinaire qui mande fondation théorique qui offre dans sciences politiques, dans relations internationales, géographie et l'autre science tant économie et histoire. Là n'a parlé de politique internationale et surtout géopolitique, nous devons prendre en considération l'autre variable qui a un rapport entre domination, pouvoir, influence, indépendance, souveraineté, interdépendance, intégrité territoriale et stabilité politique, acte social, développement, prestige et sécurité. Là nous observer réalité à dans une perspective périphérique. Nous devons ajouter raison qui fait mon chercher pouvoir. Qui impliquait dans l'idée résistance, construction pouvoir, autonomie, en plus de exigence pour la justice. Depuis quelque temps, nous avons une société qui est dirigée par l'argent. Il y a une cause de instabilité sociale que nous gagnons, c'est économie exclusion. Li reflété dans relation nous t'ai établi avec l'argent tant qu'on accepté dans la paix domination l'argent sous nous et même avec société nous yo nous créer ça nous les nouveaux idoles adoration ancien statut titoro qui dans exode là tourner te joindre une nouvelle version sans pitié dans fétiche l'argent ak dans dictature économie sans figure ak sans objectif humain. Crise mondiale là qui affecte finance et économie révélé déséquilibre yo ak surtout manque grave dans orientation anthropologique li qui détruit moun nan qui réduit moun nan dans un seul besoin li qui c'est consommation. Consommation. Harry Truman président États-Unis en Amérique entre 1945 et 1953, dans un discours dans le Congrès américain, défini comme sous-développé, puis fort dans la nation qui est dans le monde là, 20 janvier 1949. Il prend comme point référence noyau doctrine sacrée Chicago School of Economics. Il considérait force économique, service, demande, inflation, ak chômage yo tant kou force naturelle fixe et puis qui pas changé capitaliste la ti wè comme yon combinaison en l'or nan mouvement ça ou soit yon horloge céleste nan propre intérêt yo yo créé bénéfice maximum pour tout le monde. Mission l'école Chicago c'était purifier libérer marché nan toute interruption qui était causée par l'état pour marcher libre là qu'a agi librement. Milton Friedman, c'est un nan moun qui était plus gros présentant l'école ça, il était venu une expression agressive capitaliste multinationale là pour imposer structure qui ka crasé barrière nationale yo. Pendant gouvernement américain t'a cherché prolonger pouvoir compagnie li yo qui traversait écraser frontières nationales, Chicago School of Economics t'essayer élargir pensée li dans l'autre contexte continental yo. Comme ça, yon pensée a envahi continent yo.
Gagnons grand yon rédaction canadienne activiste politique que nous relé Naomi Klein dans livre li écrit Choc doctrine de origin of catastrophe capitalisme li relé Choc doctrine méthodologie néolibéralisme utilisé pour appliquer et stratégie li yon. Théorie li a essayé expliquer qui genre force action infiltration à crise utilisée pour appliquer politique économique néolibérale, tant que privatisation, déréglementation, à couper dans le service social. Méthode ça a consisté à profiter n'importe mal que une société subit, tant qu'on attaque, hyperinflation, un coup d'État, ou soit une catastrophe climatique, pour politique néolibérale là, appliquer solution qui, au lieu pour inquiéter yo sous bien-être population, considérer spécialement avantage qui gagne dans gros compagnies multinationales, supporter entreprises d'exploiter événements graves qui dérangent en population dans un pays, ou soit une région, et créer confusion pour appliquer mesures extrêmes pour les citoyens, yo, car ou fait après choc là, li getan trop tard. Parce que yo même yo getan fin enrichi tête yo décision yo getan pran yo getan irréversible yo pa ka ki difficile pour renverser et comme ça peuple sa yo continuer à appauvri pour politique développement et sous-développement continuer à grimper au fur et à mesure. Pape François nan yon extrait Exhortation apostolique Evangelii Gaudium dans numéro 55 te dit même Jean commandement patouye a mette yon limite clair pour garantir valè moun jodi a nous dwe di non pour yon économie exclusion ak inégalité économie ça touye moun li touye nation c'est pas normal que la presse a fait gros bruit devant yon dollar qui augmente dans marché bouslan pendant ce temps la presse fait mes yeux face à un grand monde qui mourit dans la rue que personne pas prendre pas occuper que des personnes cap tomber chaque jour ça pas dit rien ça c'est exclusion pas François dit je t'ai mangé pendant un paquet monde a mourir grand goût ça pas qu'à tolérer encore c'est iniquité je dis à toute bagaille tourner dans jouette la compétitivité ak loi sa ki pi fòa côté puissant yo manje pi fè bio comme conséquence situation sa gros masse nan population an exclu ak marginalisé sans travail sans horizon sans sortie surtout jeune yo considéré moun nan comme yon bien pour consommer ke yo ka utiliser et pris et puis après quand li pa ka utile encore ou jetèl. Nous commençons une culture que nous relè culture réjection que nous encourager jeter. Moi pas connais encore si c'est tout simplement phénomène exploitation ak oppression mais un bagay neuf je dis c'est exclusion qui affecte nous dans racine. Moun nan pa fait partie dans société côté la vive là. Yo forcé la migration ou rive dans société côté ou pas fait partie de société a parce que ou pas là ou pas dans périphérie parce qu'on pas gain pouvoir mais ou dehors moun qui exclu yo pas fait partie de catégorie exploitée mais yo tourné fatra yo c'est catégorie en plus là yo relé yo catégorie qui en plus là dans contexte ça gain quelques moun toujours cap défendre théorie spirit ça qui supposé que toute croissance économique favorisée par liberté marchée réussit provoquer plus gros équité ak inclusion sociale dans monde là. Opinion ça qui pas jamais ka confirmé par en réalité vrai exprimer en confiance avant tout toute correction ak naïf dans gentillesse moun qui exerce pouvoir économique ak nan mécanisme sacré dans système économique dominant pendant ce temps excluyo toujours attend excluyo toujours attend pour capable kembe yon vie qui exclut l'autre monde ou soit pour capable gen enthousiasme pour idéal égoïste yon globalisation indifférence presque sans nous pas rendre nous compte
Nous ne venons pas qu'à sympathiser nous devant réel l'autre monde. Nous pas crier encore devant drame l'autre monde et puis nous pas prendre soin personne tant que si gagnons l'autre monde qui responsable si qui gagne responsabilité sur situation ça pas concerner nous ça concerne l'autre monde qu'il si bien-être anesthésier nous et puis nous perdu sans foi parfois nous même surtout nous même qui jeunes si marché a offrir un bagaille que nous pouvons acheter même si nous est autour de nous gen moun ka viv ki pa gen anyen ki coupé pour manque de possibilité nous garder ça tant qu'un simple spectacle qui pas changer nous qui pas toucher nous dans aucune façon. Depuis quelque temps moi tendais n'a parlé de Haïti que nous voulons ya. C'est un slogan ou bien c'est une perspective? Nous t'aimer poser nous question ça. Première question à poser nous. Qui ça nous gagne en tête nous là nous dit Haïti que nous voulons face à réalité que saute expliquer nous Haïti que nous voulons. Est-ce que c'est un slogan lié pour nous ou bien c'est une perspective? Qui ça nous gagne en tête? Dare m'étendre nous. Qui ça nous? Haïti que nous voulons? Son slogan lié ou bien son perspective? Qui ça? Là nous ouais réalité haïtienne en dans contexte mondial là. Et avec tout ça nous même n'a décrit ça n'a privé. Qui ça nous gagne en tête non là nous dit Haïti nous voulons que nous tout le monde ça dépend de qui côté que n'a écouté non pas c'est Hubert Eli et m'a profité féliciter nous pour belle émission ça que n'a fait de moment ça et pour répondre à question est-ce que là nous parler de Haïti est-ce que changer Haïti est-ce que c'est un slogan ou bien est-ce que li plus profond que un slogan dans opinion pam moi plus quoi li c'est un slogan parce que li vraiment pas gagné aucune action qui marchait avec slogan ça qui t'a pour venir faire li yon vinn gagné un sens qui plus profond et yon nan raison yo qui fait me dire ça c'est parce que sur le plan civisme ouais moun pas respecter pays yo moun pas respecter l'autre moun pas respecter coutume pays a moun pas respecter rien ça c'est déjà une raison qui montre que et Haïti nous ta vle on l'autre Haïti a li c'est un slogan parce que pour pas ta un slogan faut chaque monde qui a répété parole ça c'est puis ta capable mettre dans tête yo puis ta capable dire qui ça que nous mêmes n'a fait pour pays a au lieu que c'est tant tout monde attend pour pays a fait pour yo et lorsque ou même ou pas engagé lorsque gagnons ces deux actions ou même en tant que citoyen ou pas fait pour capable aider pays à avancer donc Haïti que nous t'avlé a l'autre Haïti a li vinn plus yon slogan et qui pas gagne aucune profondeur et nan sens pour un développement durable ou bien un changement et en profondeur c'est tout ça que m'ta dit et pour qu'on y a là et merci pour l'opportunité que nous ban moi pour m'ta capable partager opinion ensemble avec nous. Ça là. Donc merci et ma salue intervention sur Ancia et intervention magistrale on critique vraiment brutal de système néo-capitaliste là et de capable de Jean monde là fonctionner actuellement malheureusement et c'est dominant qui vient mettre moi. C'est eux qui décider, c'est gagner bon définitivement. Qui a fait jouer là, qui a mené jouer là, et une bonne question critique assez brutale, que moi apprécier et je pense définitivement nous-mêmes étant que jeunes, nous devons être conscients de la situation, ça, nous devons être conscients que nous avons un système, soi-disant capitaliste, qui définitivement pas marché, qui servit pour enrichir ça qui est riche déjà,
côté nous joindre. Je le jodi a, li pi enteresan pou moun moun gen la, ki gen l'ajan deja, investi kob li a pou kontinye gen plis l'ajan, ke fè yon bagay ki definitivman produktif, ki kapab ede sosyete, ki kapab pote chanjman veritab yo. Nou definitivman apou moun ki plus importan nan sosyete yo tapou. Si la kap travay nan sektor edukatif, trez importan. Si la kap travay nan kesyon sante, c'est mon ça qui définitivement fait mon scope dans le pays tandis que un monde qui est dans un paquet l'argent déjà avec un mouvement il fait un investissement sur un marché financier ils font paquet l'argent c'est des bagages qui pas aucun sens pour une société continuer évoluer moi c'est tout ça qui bat intervention sur l'importance capital nous même nous tant que jeunes nous supposés et conscients de situation ça et côté nous venons trouver nous côté effectivement inégalité, monde qui vit violence économique, il y a engendré plus violence, il y a engendré plus conflit dans le monde. Là. Parce que c'est des situations que nous vivons, là, quand pas nous en Haïti, même si nous même nous pas en place en Haïti, mais nous avons famille, nous avons amis. Nous conscients de situations, nous avons souffert de violence, nous avons souffert de mauvaises nouvelles, de monde pas nous qui a kidnappé. Tout ça, c'est résultat d'un monde qui complètement inégal côté et si la qui gagne plus comme a toujours a continuer gagne plus comme côté pays qui est derrière yo définitivement n'a continue à traîner parce que c'est important pour nous conscients de situation ça pour nous proposer un autre système un système qui basé sur plus égalité qui basé pour nous pas seulement aider ça qui puis pas seulement continuer enrichir ça qui puis fort mais pour nous conscients, nous tous gain droit dans le monde pour nous vivre, pour nous gagner une vie qui est décente, une vie décente pour tout le monde, pas seulement pour gagner dans le système. Bon, c'est ça très important. Pour me venir avec question sur le thème Haïti que nous voulons, bon, moi-même, je ne vais pas répondre à la question exactement parce que slogan, pas slogan, pas moi, pas vraiment adepte de Haïti que nous voulons. Mais ça qui est différent de camarades qui prennent parole avant maintenant. Moi, je pense que c'est slogan important. Derrière un slogan, nous sommes capables de malander un paquet de notre revendication, nous sommes capables de faire grand chose avec. Je pense que c'est important, nous, en tant que jeunes, pour nous gagner des slogans, mais nous ne pouvons pas camper dans le slogan seulement. Slogan capable de mener derrière un paquet de bagages qui peuvent mener nous vers un changement, mener nous vers un pays qui est beaucoup plus juste. Bon, disons qui est juste, parce que nous n'avons pas un pays qui est juste. Moi, je pense que pour me terminer, nous avons un seul choix pour nous capables de sortir dans le cycle infernal que nous y avons aujourd'hui à nous-mêmes. C'est que le peuple haïtien, c'est une bataille pour un pays côté nous avons un système de justice. Qui va commencer dans un système de justice côté nous, peu importe la classe sociale, peu importe de couleur, peu importe nous y a dit qu'on est devant justice, ta li égal avec l'autre. Et de là, nous capables d'avancer dans la justice économique, nous capables d'avancer dans le paquet de l'autre barrière. Donc, c'est là que je commence avec l'intervention par maintenant. Et merci pour l'occasion, merci pour l'invitation. Merci, Vincent. Tant pis, identifiez-nous avant que nous parlions de l'éducation que nous y est tout. Alors, moi c'est Clairson, Clairbus, Verdieu, Vincent, ma vive. Au Mexique, moi, c'est ingénieur dans technologie information. Mackinson voulait dire un petit parole, malgré que ce n'est pas un panéliste, mais il m'a dit un petit bout de commentaire. N'a accueilli Mackinson. On va ouvrir audio avec vidéo pour nous capables de voir. Mackinson, si vous voulez permettre nous voir figure. OK. Bonjour tout le monde. Merci à notre ami. Oui. Bon, premièrement, je remercie nous pour l'initiative là. Et avant tout, je remercie Frère Bito qui t'a invité moi. Et malgré que je n'ai pas vraiment bien le temps, je me suis dit comment je vais inviter à qui m'a connecté quand même pour me suivre. Et mais une intervention qui a attiré l'attention en pile. Qui fait me décider de faire un bref commentaire malgré que je n'ai pas monde qui t'a intervenu. Bon, avant tout, je pense que la question géopolitique, là, c'est une question tout d'abord qui est vraiment importante. Et bon, c'est une question souvent fait débat sur lui avec quelques camarades. Je vais essayer de montrer. Important géopolitique, surtout dans
et mode fonctionnement pays yo, parce que nous avons un monde globalisé, nous pas qu'à garder développement pays yo et de manière et capable isolé. Et donc et c'est complètement important pour nous garder toute relation et non entreprendre avec l'autre pays en termes de développement et quel que soit son style. Et à part de ça, même comme jeune, bah, c'est que jeune ou bien citoyen dans n'importe pays, ya, nous gagnons obligation qui c'est une obligation qui c'est bypassé par nous en façon capable pour aider pays à développer. Par contre, il y a une expression que me souvent entendre, et me pas finirai mais me pas compte qui ça qui derrière, qui met derrière le cap alimenter, mais qui souvent attire attention, c'est expression comme Adélie sur répéter qui c'est qui ça n'a fait pour pays a au lieu pour tant pays a fait pour nous. Expression si là me c'est que son expression. Bon, tout d'abord et coquin, même dit coquin dans le sens et les charrier tout un mode de irresponsabilité des institutions pour dire en gros l'État dans le pays. Et lui-même aller plus loin, même, excusez-moi, c'est ça que je me dis, qui met derrière, parce que à plusieurs reprises, moi, ouais, même dirigeant, monde qui nous baille mandat pour gérer le pays, parce que le bon mandat pour gérer un pays, c'est parce que nous faisons confiance que le problème pays, nous sommes capables de résoudre. Donc, on arrive dans ce cas, nous, même, moun nou baye mandat sa yo, yo kon apprend la parole, yo répété même parole coquin ça. Yo dit que c'est pas tant de pays à faire pour nous, c'est pour nous faire pour pays. Mais non, et réalité n'a pas aussi simple. Ça, moi, c'est son problème qui aussi est aussi beaucoup plus complexe, de façon, non seulement garder, bien répéter l'expression que nous capables, nous devons aider pays. Nous pas là pour nous aider pays. Nous capables pour t'aimer, pour nous baye si pour pas nous. Mais et mon nou bay mandat yo mon kap dirije nou yo gen pou obligation orienter nous et c'est peut-être ça et selon règle démocratie entre guillemets et nous bay mon sa ou mandat pour diriger nous et c'est comme si non bateau et capitaine bateau a ap di nous connaissons nous même qui pour mener bateau mais non capitaine a une responsabilité pour gérer vie nous dans bateau pour permettre que côté nous sorti de côté nous ça côté nous aller pour nous vivre bien et c'est rôle ça nous bay mon kap dirije pays yo. Je pense que c'est ça que je pense que c'est un peu coquin. Je pense que nous devons aider les pays. Ce n'est pas payer pour nous aider. Non, non. C'est vraiment qu'on a une responsabilité personnelle et que nous-mêmes nous devons prendre. Parce qu'en tant que citoyens, nous avons toutes les responsabilités. Nous devons faire nos propres. Nous devons faire tout ça qui est positif de façon pour nous capables d'essayer de contribuer de façon pas nous. À aider les pays à développer, mais ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons développer ou bien ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons aider les pays. D'ailleurs, nous avons un mandat déjà pour ça. C'est obligation nous à pas de toute responsabilité nous t'as capable prendre ou bien et démarche positive personnelle nous yo c'est obliger mon cap diriger nous jouer rôle yo parce que c'est là moi qui problème nous gros problème irresponsabilité totale qui fait Jean et madame et Anne-Cy Sodil Talère capable d'un cas qui passé on ces problème gaz ou bien on ces problème goud font tourner dans pays là tandis que et ouais yon moun gen doit prendre balle et dans l'arrière mais tout simplement parce qu'il sorti origine sociale li et fait que tout monde vire do bali qui donc yo ignore ça 10 moun gen doit mourir là et dans zone ça nous rele ghetto yo dans pays yo li pas vraiment choqué moun mais tandis que yo après on simple petit blague yon dirigeant fait nous prendre faire tout contrôler avec elle c'est son travail nous tellement aller dans sens côté que nous pas bail mon cap dirige nos responsabilités yo nous pas obligé yo répondre à responsabilité yo nous accepter toute bagarre nous penser que c'est nous mêmes qui pour résoudre problème donc par exemple si on a un problème insécurité dans pays c'est pas nous mêmes comme citoyens qui va résoudre nous mandaté monde déjà qui pour mobiliser institution yo qui pour rendre institution fonctionnelle pour problème pays capable résoudre c'est bon en gros c'était vraiment ça qui était attiré attention l'intervention commandant c'est son expression souvent entendu me content de dit j'en ai répété le j'aime ce bilan qui vraiment attire attention et me pensais que les grands fragilités la donne et dans façon mon répéter là qui c'est et déresponsabiliser l'État dans travail au tableau fait et en tant que ou bien gens au tableau mener bac institution pour mener pays à sur le développement. Merci Mackenson. La bande de mesdames pour intervenir parce que jusqu'à présent me prend trois messieurs, qu'on y a là, c'est Naïka qui va parler parce que m'gen Naïka, m'gen Mialène, m'gen Stéphanie dans les là. Mesdames, va faire point, faire point, faire point, va quitter monsieur à faire gol sur nous comme ça. On aller.
Merci beaucoup, Madame Anis. Bon, bienvenue, mesdames. Bonjour tout le monde, bonjour avec tous téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices, auditeurs, radio-télévision Solidarité. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour que nous présents dans une bas de bouche, dans une passé l'idée, c'est important pour la société noire, pour nous, étant que monde, étant que jeune. Je prends soin, je prends temps. Pour retirer chapeau face avec cooking chain analyse que c'est Anis Anis du scoop pardon excuse Anis ça fait sous question géopolitique mondiale là. Ça a toujours fait un plaisir les que une jeune femme qui connaît valeur, qui comprend tête comme citoyenne et qui prend responsabilité les citoyennes, il faut être difficile pour que nous jeunes, nos femmes et surtout femmes haïtiennes qui impliquées réellement dans genre de discussion ça, dans genre de débat ça, donc ça fait un plaisir et sincèrement déjà au monde que nous très admiré. Pour moi pour avec question, est-ce que Haïti que nous voulons, c'est son slogan ou bien son perspective? Perspective. Qu'il était avec les mots, donc n'a pas compris. Perspective. Oui. Perspective. Monsieur, fait une intervention tout à l'heure, côté que les généraliser, que les sont slogan, parce que mon pas respecter pays. En fait, jeune, en fait, pas respecter pays. Ça qui a attiré l'attention dans le discours, c'est le fait que les généraliser et automatiquement les généraliser, je me sentis que je mettais dans la position pour parler pour moi. Je me sentis que je mettais dans la position pour les définir vision moins sur Haïti, il fait pour Mademoiselle Joseph, il fait pour M. Mackinson. Donc, dans ce sens, je ne suis pas trop allé sur la même ligne ensemble avec malgré que je respectais l'idée qu'il a défendue. Et M. Mackinson, tout, aller plus loin pour dire que pour contredire déclaration monsieur Herbert Herbert pour dire que les comprennent Haïti est un bateau et bateau c'est là les dépend de capitaine. Moi-même personnellement pour moi-même Haïti que nous voulons définir les temps pour yon slogan et tout yon perspective qui marche avec des actions qui positives pour que et nous arriver à atteindre objectif que nous voulons avec Haïti. Les gens qui ne sont pas d'accord avec déclaration M. Mackinson, ou bien que mal au contraire, avec déclaration M. Mackinson, que bateau a de panne de capitaine, non, c'est que capitaine n'a li pour contre client de bateau. Et si toutefois, à gauche, bateau, il y a un événement qui produit, la suscité curiosité dans mon yon, si toutefois, tout le monde qui est de bateau a passé à gauche, pardon, mais capitaine n'a pas gagné la café. C'est toutefois ça fait à droite et majorité de nous déplacer à droite. Donc, il y a un déséquilibre qui fait et automatiquement, il y a un bois pilou, ça cause le bateau à chavirer. Nous passons trop de temps à essayer de changer Haïti. Dès que nous disons nous, nous prenons la génération qui passe, la génération qui vient, la génération qui vient. Nous passons trop de temps à questionner comment nous allons changer Haïti. Parce que moi-même, personnellement, parce que changer Haïti, l'on parle de changer Haïti, c'est changer toute culture haïtienne, changer un paquet de bagailles. Pendant ce temps, nous concentrer moins de temps dans chercher des solutions avec des petits problèmes qui ont pile fois commencé la caille, qui ont pile fois commencé l'école, qui ont pile fois commencé dans le quartier côté que dans la ville. Parce que normalement, en fait, par contre, c'est ce proverbe haïtien, c'est là qu'on fait, comment on dit ça bien, qui dit petit petit, fourmi fait trip, nous j'ai une trip fourmi, et tout du genre. Donc, je pense que jouer des solutions avec problèmes que nous avons confrontés dans la société haïtienne, c'est normalement premier pas, d'après moi-même, c'est une prise de conscience auprès de chaque grain haïtien. Quitte les élèves première année, quitte les élèves troisième année secondaire, quitte les
président paysan, sénateur, ministre, peu importe sa lien, supposé qu'on prise de conscience qui prend pour nous connaître que pour nous changer, pour nous joindre des solutions avec problèmes que le pays a confronté, moi supposé commencer par faire partie par moi-même d'abord. Moi supposé mettre dans tête moi que pour la rue en propre, moi supposé éviter jeter sachet de l'eau à terre. Je ne peux pas prendre l'État à venir dire que je ne suis pas supposé jeter sachet de l'eau à terre parce que je vais voter le bulletin en l'air pour moi. Je ne peux pas prendre l'État à venir dire que je suis capable de faire un marathon, rassembler un groupe de jeunes qui sont là, en nettoyer pile fatra sac là, en faire un terrain, en faire un place pour ces gens qui ont enjoy en fin de semaine. Donc, ça, ce sont des trucs simples, très simples, que nous-mêmes, à partir d'une prise de conscience, peu importe si tu as 12 ans, 10 ans, 16 ans, nous capables de faire pour que nous jouions des solutions avec des problèmes. Mais ça passe, malheureusement, nous avons une jeunesse, je ne parle pas pour jeunes, je ne parle pas pour les gars, qui manque d'intelligence. Parce que ça gagne. En fait, son exemple que moi, j'ai utilisé pour les parler, le plus souvent, nous jouons des filles qui mettent tête ensemble pour organiser une piscine. Vous comprenez, puis organiser un salon de beauté, bien sûr que nous supposons prendre soin de nous, mais puis organiser un barbecue et tout du genre. Nous, jeunes messieurs qui mettent ensemble, on a fait un body, on a fait un sacou qui nous prend le bois bien. Ils mettent ensemble, ils rassemblent l'argent, ils mettent ensemble pour qu'ils organisent ce genre d'activité. Super, loisir, l'entour, il est assez important, il fait partie de l'entour. Mais il est assez difficile, il est très, très difficile pour qu'on ait un groupe de jeunes qui dit on met ensemble pour que chaque samedi, nous prenons nettoyer tel côté. Ou bien on met ensemble, on a fait un sol, on a fait un caisse pour que après 10 mois, après 1 an, 2 ans, 3 ans, l'argent que nous rentrions, on a mis sous pied, parce qu'on a une boulangerie, on a mis sous pied un petit business. Et comme ça, petit à petit, il est capable de grandir. Et petit business, ça que nous mettons sous pied, je dis à nous deux, nous trois. Li capable entre en fait li capable bay moun fait moun k ap vini travay li capable bay petit voisine nan travay li capable bay 2 3 4 5 moun et tout etant que l'ap grandi c'est plus moun ki ou ka impliqué en fait ki ou ka mete nan travay nan communauté ou lan et imagine nou sou ki nan chaque communauté nou gen un groupe jeune k ap ki pense comme ça k ap travay comme ça nou pa tap chita la seulement pour nous dépendre de moun ki nou te vote moun ki nte voté pou ki représente bien sûr que ou gen parti pa yo pou fè bien sûr que yo supposé prendre responsabilité d'ailleurs moi m'a voté pour ça mais c'est parti pa nou est-ce que n'ap chita là pour nous dire que n'ap tann yo agi pour nous est-ce que n'ap chita là pour nous tann bonne volonté yo fait pour nous temps passé moi m'a voir grand monde petit nou ap vini est-ce que société ça n'ap vive la kounya n'ap croisé pe nou chita n'ap tann papa sam ou bien n'ap tann sénateur yo qui va suspendre nous mais dans chemin faire pour nous pour petite nous. Donc c'est juste pour me dire que excusez-moi mais bateau pas dépendre seulement du capitaine. Peut-être que monde qui est dans bateau qui mieux placé pour qui mène bateau c'est capitaine non mais il dépend aussi de moi-même avant. Parce que si moi-même avant nous fait tête nous ensemble nous caper un seul bord n'a chavier nous tout mourir. Mais si moi-même avant nous assumer responsabilité nous chita nous mettez ceinture nous mettez comment bagarre les bagarre leur couler. Le sauvetage nous mettez nous chita en place nous chita bonichi n'a privé en bien n'a privé parce que capitaine l'était devant l'était guidé nous et nous t'en dans bateau nous pas brasser quoi nous de nous tout pantalon seul bon donc en gros c'est pas que nous pas rien pays nous d'ailleurs j'ai 9 ans depuis que me quitter Haïti par contre presque rien de Haïti par contre moi cherche une façon pour nous de même histoire Haïti on va bien connaître. Nous cherche une façon pour toujours être reconnecté. Pour qui ça parce que moi mes pays. Moi mes pays. Et sincèrement et m'a fait commerce extérieur c'est parce que moi crois que Haïti gagne capacité gagne ressources assez pour que l'ion influence qui très 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 grand dans le marché international. Malheureusement nous pas des monde qui penser pour nous. Donc si chaque jeune te prend responsabilité te prend tu casse prise de conscience ça. Bon, c'était notre pile. Ouais. Bon, on va pas avancer plus. Merci Naïka. Est-ce que on l'a fait de parler ou bien on va continuer? Parce que on a pris l'autre thème, comme ça, même il a parlé dans l'autre vie, on va débattre. Comme moi, dis-nous que moi, content d'entendre nous chaque sous opinion par nous. Et
comme moi dit nous déjà, c'est une situation qui est très complexe, qui est très diversifiée. Nous pas vivre dans un monde, nous pas simplifier aucune réalité, parce que la réalité est vraiment difficile. Moi-même qui participais presque chaque année, presque dans 9 sessions Nations Unies sous Conseil des droits de l'homme, on rend compte les nations chita ensemble pour dialoguer sur des thèmes qui concernent les pays, ce n'est pas pareil qui facile. Ce n'est pas facile. Mais ce qui est important, je dis, il y a des gros défis. Il y a un gros défi parce que si nous voulons développement, si nous voulons égalité, si nous voulons fraternité, comme nous dit, si nous voulons, il faut gagner économie pour 99% de la population. Il est pour nous bâtir une économie humaine pour bénéfice tout le monde. Pas seulement quelques privilégiés. 8 personnes gagnent même richesse à moitié qui plus pauvres dans l'humanité. D'après nouveaux estimations, croissance bénéficier moun ki pi riche pendant la société a souffri surtout pour bio. C'est nature économie yo nou yo ak principe qui caché dans système économique nou yo qui te mené nous dans situation extrême ça qui pas durable et qui injuste. Économie nou doit suspendre payer plus moun ki pi riche yo et puis commencer à agir pour bien tout le monde, gouvernement qui est responsable et qui a pensé pour pi devant business qui agit dans l'intérêt travailleur à producteur yo, améliorer environnement, améliorer droit famille avec un système tax solide, c'est élément clé dans l'économie ça pour qu'a devenir une économie humaine. Côté il bail moun importance. Barack Obama devant Nations Unies dans dernier discours il fait en 2016 là te dit yon monde côté 1% dans l'humanité contrôler même quantité richesse à 99% qui était yo pas jambe stable. Cependant, crise inégalité mondiale là a continué sans arrêter. 1% qui est plus riche dans l'humanité a gain plus richesse nette passé presque planète là. Je dis a 8 moun possédaient autant que moitié qui plus pauvre dans l'humanité. Pendant 20 années qu'a vini yo, 500 moun pour al quitter 2.1 milliard dollars pour héritier yo, plus passé PIB paysan qui côté gain 1.3 milliard moun à vivre. Cause inégalité dans dernier forum économique mondial en Suisse 26 janvier 2018 échec système économique actuel là t'est dénoncé avec force. Ça qui permet seulement yon ti élite accumuler gros fortune pendant plusieurs centaines millions moun a lutté pour survivre sous sa les misère que yo recevoir. Et société civile mondiale là a demandé gouvernement yo pour yo prendre engagement concret pour yo attaquer inégalité. Mais qu'est dans situation économique mondiale qui plus problématique ak durable. Nous gagnons externalisation dans processus sous chaîne production mondiale yo. Ça nous relève en anglais outsourcing, non? Gros compagnie yo favoriser moun ki nan tête compagnie yo. Nan obsession yo gagne pour produit profit pour moun ki nan tête yo, gros compagnie yo révoquer pi plus ak producteur yo utiliser pratique évasion fiscale, évasion taxe. Éviter payer taxes qui t'a bénéficié tout le monde, en particulier qui s'appuie pour vieux. Deuxième point, fait travailler à producteur en bas pression, pendant que revenu gros tête exécutif qui souvent payé en action, a monté, ça le travailler à producteur a diminué et gagner les soi-disant y'a pas augmentation, mais y'a augmentation minimale. Ça minimum nan.
gen an pil habitax ka fèt nan le mod, yon nan instrument ke kompanyi yo itilize pou augmente profi yo, se paye mwens tax posib. E sèten nan yo fè sa a travè paradis fiskal. Ou swa, fòse peyi yo antre nan kompetisyon pou bay pri ki pi ba, exansyon tax ou bien to ki pi ba. Gen kapitalist hypertrofik, nan pil pati nan mod lan, aktivite gwo kompanyi yo gen yon sel objektif. Maksimize salè aksyonè yo, sa vle di non seulement maksimize profi a kou term, men tou peye tèt yo yon pati kwasans nan profi sa yo a propriété biznis yo. Nou gen ankor sa nou rele kapitalist kliyan, kompanyi ki opere nan divers sektè, takou finansye, min, toal, farmaceutik, e la ke, servi a gwo pouvwa ak enfluyans ke yo genye pou asyre ke regleman ak politik nasyonal ak internasyonal yo formule nan yon fason ki garanti yo rentabilite konstant. Gan pil fomit ki nan ekonomi tou ki supose ditwi si nou vle ke monde lan chanje, si nou vle problem yo diminue, si nou vle vreman yon stabilite sosyal. Gen fo le jan numero 1, kote yo di, mache a toujou dwat, epi wòl gouvenman yo ta dwe minimize. An realite, mache a pa te prouve tèt li kom pi bon organizatèr nan eksistans nou, ou swa ki ka bay yon figi nan avni komen, komin nou yo. Privatizasyon, servis piblik yo, tankou la santé ak edukasyon, ou swa sektèr de lwa, vin toune yon fakteur ekskluzyon pou moun ki pi pov yo, syoutou ou fòm yo. Le jan numero 2, le yo di ke gwo kooperasyon yo dwe maksimize profi ak dividan a tout pri pou distribye yo bay aksyonè yo. Sa bay yon augmentasyon disproporsyonè nan revenu moun ki deja rich epi li mette presyon inutil sou travaye yo, kiltivate yo, konsomante yo, founise yo, kominote yo ak environman. Fò le jan numero 3, se ekstrem riches individuel la, trè pozitif. E se sin suksè, inegalite, pa important. Au kontrè, afirmasyon yon nouvo laj lò ak yon konsantrasyon, tout riches la, nan men yon ti kategori moun ki nan majorite se gason, se kontre-produktif nan tem ekonomik politikman koroziv epi normalman sa mine progrè kolektif. Gon lot le jan akor, kote di kwasans pil la ta dwe objektif principal nan defini politik ekonomik. Sepandan, Jean Robert Kennedy te di an 1968, pil mesure tout bagay. Men sa ki fè la vi ya bouje, pil pa pran sa an konsiderasyon. Pil la pa pran an kont gwo kantite travay fòm yo a fè nan fwaye yo san peye a travèr le moun. Li pa pran kont inegalite. Gon fò le jan numero 5 se model biznis nou an pa seksist. An realite, koupyo nan servis piblik yo, ensekurite travay ak violasyon dwa travay yo afekte majorite fòm. Prezans fòm nan travay ki pi breke yo e ki pi mal peye yo takou gen jwen sak so di la talè a, absolument mesdames yo plus pase mesye yo. Nou trouve plus fòm nan travay mal peye yo takou edukasyon, takou swen malade yo. Ki jan nou ka goumen kont inegalite ak apovrisman sa. Nan Forum Ekonomik Mondial ki sot pase yon Swiss lan, proposisyon ekonomik konkre paret tankou ankoraje model biznis ki adopte politik ki pi gwo ekite ak transparans epi sipote salè jist. Mete yon limit sou salè manager ak direkte yo pou diferans salè a pa depase rapor epi elimine diskriminasyon seks.
protéger droit travailleur, surtout ça qui dans catégorie qui plus vulnérable, travailleur domestique, immigrant, ak secteur informel là. Garantir en particulier droit association syndicale. Assurer que moun riche yo ak multinational yo paye bon quantité taxes. Bay priorité dans mesure pour combattre fraude, taxes ak évasion fiscale. Augmenter dépenses publiques dans services tant pour la santé, éducation ak sécurité sociale en faveur segment qui pi vulnérable dans population. Selon nous, ça suffit pour combattre l'inégalité ou bien nous pensons qu'il y a l'autre action qui est possible toujours? Parole là, c'est pour nous. Allez, est-ce que nous croyons que gain l'autre pour nous combattre l'inégalité? Est-ce que nous pensons qu'il y a l'autre action qui est possible que nous sommes capables de faire toujours? Naïka? Allô? Oui, oui. Pierre Richard? En fait, c'est pas Pierre Richard, non, donc c'est Yves Volel Alexandre. Mm-hmm. Mais c'est au téléphone et Pierre Richard, donc qui sont capables. Et qui vous auriez? Moi-même, moi vite. Et c'est donc encore une fois monsieur Alexandre Yves Volel et moi c'est un étudiant en ingénierie en agroécologie, donc et ma peine est commencé ma première année et ça fait me content je dis à pour que moi participer avec nous dans belle et grande émission ça, donc moi c'est gros thématique qu'a discuter, donc c'est gros causé. Et puis là-dedans, nous fixer donc et position Haïti ou bien réalité Haïti par rapport avec toutes perspectives. Et en fait, nous devons parler avant dans première ouverture là. Et donc malheureusement l'autre était envahi et nous avons apprécié donc intervention et tout. Et ti m'dagadi petit controverse tout te gain yo fait tout ça mais bon, y a et question non c'est très très important tout ça, oui, question économie mondiale pour descendre dans économie la caille, on va connaître si n'a contextualiser et dans pour et en Haïti par exemple. Non, mais descendre, parce que normalement, nous-mêmes, tout dialogue, nous, c'est pour arriver, faire nous réfléchir, pour nous voir qui possibilité et qui motivation que nous sommes capables de gagner, pour nous capables arriver et porter solution à la situation que nous vivons aujourd'hui. Si nous ne réfléchissons pas, si nous ne jouons de lumière, c'est difficile. Parce que, en plus de fois, nous ne sommes pas capables de gagner une mentalité magique, que comme si tout bagage était un bagage magique, bah, il va le résoudre. Parce que situation Haïti, comme nous disons, situation Haïti pas une situation isolée. C'est une situation qui est classée en dedans une politique mondiale. Haïti, c'est un pays qui est le cinquième exportateur mango dans le monde. Il a déclassé pour envoyer en Colombie. Haïti, c'était un grand deuxième exportateur de café dans le monde. Ou déclassé. Ou t'es exportateur de coton. Ou t'es exportateur de sucre ou déplacé. Est-ce que c'est parce que Haïtien par le sucre fait le déclassé? Est-ce que c'est parce que Haïtien par le travail? Pendant que, si vous regardez aujourd'hui, hein, pourcentage Haïtien qui agronome par rapport à pourcentage Haïtien qui était agronome, les Haïtiens, Haïti exportateurs de café, de coton, etc., pas même 1% de différence, dans le sens que nous presque à 9% de plus de jeunes qui étudient, qui gagnent théorie, qui gagnent capacité, qui gagnent paquet de formation pour être capable de décoller l'économie Haïti. Mais qui s'est passé, nous, qui fait nous déclasser et nous déclasser tellement que nous vivons dans une situation
côté nous pourquoi nous pas encore ouais lumière pour qui pente nous prendre essayer prendre pour nous lever. Ça veut dire économie n'a pas les hein, pour 1% 90% les toucher Haïti. Alors on a toute liberté pour dire tout sauver. Économie, c'est un bagage qui est fondamental dans maintenir une nation exister. Donc, économie, c'est un coup d'agadir dans construction. Donc, si Kaila n'a pas de bonne base, pas de ceinture, donc il n'y a pas de camper, en fait. C'est ceinture. Yon nation qui est l'économie. Donc, c'est lui-même qui qualifie nation. Si nation est une nation qui est pauvre, si nation est une nation qui est riche, si elle est très, très vulnérable, c'est lui qui dit qui qualité santé, comme si nation ça lui-même, les gens la kaili. Vous comprenez? Comment question sécurité alimentaire ou bien souveraineté alimentaire, si nous voulons, donc comment ça y est dans un pays ça? Et qui j'en éducation? Et qui j'en tout bagaille? Mais, il y a un bagage qui est extrêmement important. Économie en tout, l'IPACA activé sans que l'IPA gagne des décisions politiques qui marchent avec lui. OK? Et sans que l'IPA gagne sacré, bon, pour moi-même, donc, faut que l'État lui-même gagne capacité pour que l'IPA active, vous comprenez? Nan metel auprès de gens qui sont et commerce à fait en pays tout ça question et ressources qui générer profit qui générer économie problème ressources que on considérer comme étant facteur qui garantit et qualité problème économie qui gagne donc qui ça moi en réalité ça d'abord si n'a regardé sur en politique. Par exemple, à nous en Haïti, nous avons un petit problème. Et le problème dans l'Haïti, il est gros. Ça que me dit, il est gros, c'est parce que jusqu'à présent, pendant l'économie mondiale, la direction tête chargée, surtout avec l'invasion et tendance ou bien idéologie capitaliste néolibérale là, nous-mêmes, presque, nous, en tant que peuple, jusqu'à présent, nous sommes capables et fait entrer vraiment dans la réalité. Jusqu'à présent, nous pouvons gagner l'État. Nous gagnons l'État qui pour, comme on a dit, en fait, t'es préféré tendre nos pitots de préférence avant de parler parce que Gapil Baga est important à dire surtout avec Solanti et avec l'autre intervenant. Donc moi-même, nous tout ça n'a pas dit, mais ça m'a été point que moi relevé qui est important pour défi sociopolitique et sécurité économique qui conduit avec crise générale en Haïti et qui fait replacer Haïti dans parmi pire pays qui n'a monde là en termes de économique, social, sécurité, etc. Donc moi identifier puisque comme si souvent nous toujours remet focus sur problème mieux que nous focus sur solution. Oui, c'est vrai que à chaque débat, même débat télévisé, débat radio, on toujours te dire un peu genre ça dit mais problème Haïti ou bien même si on invite n'importe monde pour parler de Haïti. Ou toujours t'aide mon a dit mais problème Haïti mais comme si pour parler de solution il vraiment low et si ça t'a fait il y a pas vraiment parlé de solution vraiment à la racine il y a toujours tout mais qui j'en noté longtemps mais comme je me dis qui j'en nous qu'a fait qu'on y a puisque longtemps passé déjà pour nous capable mettre Haïti sur notre rail et dans tout problème que m'té identifié yo et avec solution yo moi que pays surtout li manqué yo. Qui ça qui conduit un pays avec une instabilité économique ou bien politique sociale, c'est manque plusieurs bagages. Donc d'abord c'est un manque de valeur, un manque d'attachement. En pile
en plus pour le pays, non, surtout maintenant, c'est parce que nous pas vraiment valoriser pays. Non, ça se dit nous pas valoriser pays. En plus haïtien ou bien en plus monde que le territoire ou bien que le l'autre bord. Nous en Haïti, j'en intervenant se dit comme un slogan vraiment. Et si ou non pays ou fait non pays ou grandit dans pays con culture ou vivre dans pays on connaît qui ça pays et pour connaît qui ça le présenter. Et puis ou juste garder pays face avec toute crise que la rencontrer ou bien toute crise que nous on a fait face je tiens. Ou juste garder pays comme slogan. Si nous-mêmes qui sommes dans le pays et que nous-mêmes nous supposons une valeur patriotique, nous supposons un attachement quelconque, nous gardons le pays comme slogan, à combien plus forte raison pour notre pays qui entoure nous, ou bien pour notre pays, pour scène internationale, prend le pays au sérieux. Si propre haïtien pareil, nous voyons le pays comme juste un slogan ou bien un rumeur, juste parce qu'il a confronté des crises. Alors que nous connaissons que tout pays dans le monde qui était développé d'abord, c'est qu'il y a de grandes crises. Mais qui ça a fait? Toute nation, dirigeant, gouvernement, le monde qui connaît, le monde savait, et même le monde qui pas connaît, qui pas d'information, il y a des valeurs, il y a des bagages, il y a des voulait porter pour le pays, il y a des biens, il y a des voulait porter pour le développement du pays. Ça, il dit, OK, peut-être que le pays a fait face à une crise, mais qui ça a fait, mais qui plan a fait, mais qui stratégie nous gagne pour nous sortir de la crise. Ça. Et pas seulement si tu as arrêté ton gouvernement, mais c'est chaque petit parti dans le pays, chaque section, chaque secteur, il y a des qui ça va être capoté de plus pour être capable parce que c'est plus nous font un faisceau nous identifier chaque problème dans chaque secteur c'est plus nous j'ai une solution pour chaque secteur ça donc nous j'ai une solution pour pays donc si nous pas gagne valeur nous pas gagne attachement ou bien nous pas gagne patriotisme là caille nous comment nous capable penser que pays ça va évoluer parce que déjà évolution c'est en manière de penser d'abord faut quoi pour arriver sous pas quoi comment que on va et atteindre le monde qui pas quoi yo pour motiver yo ou bien pour dire oui gain espoir pour Haïti oui même si nous a traversé des pires situations oui nous ka fait ça donc c'est déjà un problème mental lié donc plus nous jeune plus haïtien qui a près de penser que pays a pas gain espoir pays a son slogan lié ou bien son rumeur pays a fait qui paye à faire ça. Donc, c'est plus que chaque jour, paye à foncer c'est plus parce que plus on met ça dans tête, c'est plus on est découragé pour nous découvrir solutions qui ont gagné et même solutions qui ont apporté demain. Non. Mais puisque nous mettons dans tête chaque jour que paye à venir de mal en pire, c'est plus on pourrait plus problème problèmes au lieu que nous focus nos solutions. Et l'autre problème que moi j'ai identifié, c'est nous manquons de discipline avec respect, règles avec loi dans le pays. Donc, qui déjà dans ma discipline c'est un problème de formation et de méconnaissance de loi qui ça qui fait un pays d'abord c'est loi pays donc majorité 90% de population pays pas même quand qui ça une loi veut dire pas même quand qui ça constitution veut dire comment ca vraiment fait un pays marcher bien ou bien comment ca vraiment fait valeur pays marcher malgré une crise si nous pas connaît aucune loi si nous pas connaît aucune règle pour nous respecter pays pour nous respecter tout bagage qui pour marcher dans le pays donc c'est manque de ces manque de connaissance de loi avec constitution ça qui vient mener avec un manque de discipline et manque de discipline ça a mené nous avec des crises que nous pas bien qu'à gérer parce que nous pas connaît qui ça pour nous faire pour nous arranger ça et qui ça m'a bien dernier et j'en te dis c'est nous manquer analyser situation yo puisque nous pas vraiment bail ça importance et que nous toujours dire que pas bien espoir et puis nous venons désespérer nous pas analyser situation nous pas chercher solution donc plus il y a un manque de valeur plus il y a un manque d'éducation de formation de connaissance des lois plus il y a un manque de discipline c'est plus pays a toujours fait face avec ça alors que nous ouais que et gain jeune qui a pensé gain monde qui a pensé pour pays mais pays a toujours comme ça pour qui ça parce que nous manquons discipline, nous manquons patriotisme et nous manquons connaissance sur qui ça paye à elle, sur qui ça qui régit un pays. Donc, en gros, si ça me t'a dit, merci beaucoup. Pour nous terminer, sur qui paradigme
Para Ghana, c'est un grand rédacteur et expert dans les relations internationales, dans la géostratégie, avec tendance mondiale. Tu as écrit un pile livre qui est basé sur l'observation dans le changement dans l'époque qui caractérisait le monde. Là. Migration, mégalopole, zone économique spéciale, communication, et changement climatique, à remodeler la géographie planétaire. Et yo pas défini encore par frontières yo, mais par quantité moun yo ak lien financier, commercial ak énergie qui traverse yo chaque jour. Dans scénario ça, éclatement qui gagne en pouvoir yo prend nouveau forme. Vin tourner yon flèche dans la guerre, folie, l'armée servi pour défendre territoire yo ak pour veiller sur ressources yo ak conserver infrastructure. N'a pas entré dans une période qui t'a carrélé Moyen-Âge postmoderne. Nous gagnons pile en pire qui a grandi dans le continent. Yo. Par exemple, dans le continent asiatique, là, nous gagnons un pire chinois. Nous gagnons force militaire occidentale, tant que États-Unis. Nous gagnons Emirates dans le Moyen-Orient, tant que Qatar. Nous gagnons ville, état maïtique, à partir de talent, à investissement créatif, tant que Singapour. Nous gagnons multinationales riches, tant que Microsoft. Nous gagnons bienfaiteurs planétaires, tant que Bill Gates. Nous gagnons familles puissantes, mouvements religieux radicaux, tant que Al-Qaïda. Nous gagnons groupes ethno-linguistiques, tant que Pachtums. Nous gagnons populations remarquables sur chaque continent, médias puissants, tant que CNN. Tant que CNN, nous avons une université avec des mercenaires, tout communiqué de façon imprévisible et dangereuse pour produire même crise mondiale qui est plus destructif possible. Connexion te remplacé division comme nouveau paradigme. Nous ne pas parler de quatre géographies, de cartographie, nous parler de connexion, connectographie. Quatre dans l'autre mondial, dans l'avenir, tant que vous avez dit clairement, optimiste, décrit et analyser l'avenir, que n'attendant yon monde côté ligne qui connecte l'IO, puis plus parce que ça qui sépare l'IO. Pour moun qui peut que monde l'envie de fermer, connectographie offre une perspective nouveau, ak plus optimiste, ça yon c'est quelque nan postulat principal l'IO. C'est-à-dire le monde globalisé nous vient plus étroit, nous vient nous plus qu'à rencontrer que nous séparer. Pape François te fait une analyse réalité géopolitique mondiale là à partir d'un discernement constant sous signe temps yo dans lumière l'évangile là identité crise là mondiale là parce que li gen nan tête li et ça nous relé yon herméneutique pa nous ta di yon façon pour nous apprendre réalité ya crise là questionner chemin n'a suivre là ak sa kap tan nou. Pa François di nou, tankou nou menm nou sot dil talè a, et m kontan se nou menm ki dil, fòk nou konvenku ke nou pa dwe tan aucun sauve. Pa gen aucun proposition magique pou ede nou sorti nan moman sa, ou swa pou ede nou realize vrai destin nou. Pa gen aucun destin réel pas gen aucun magie. Ça qui existait, c'est moun qui gagne une histoire plein question ak doute ak institution qui à peine ka kembe tête yo ak valeur équilibré ak minimum outils qui nécessaire pour continuer pour yon ti temps. Situation mondiale la compliquée tant que situation haïtien compliquée. Ou pas qu'à grand pays si nous détruit toute institution. Yon pays qui pa gen institution éducatif, li pa gen institution sanitaire, li pa gen institution sécuritaire, li pa gen ou pas qu'à camper. Gen yon tension bipolaire entre plénitude ak limite qui donc li logique pour nous mande tête nous. Sous qui qualité anthropologie nous ta doit baser action éducation ça amène nous essayons interprétation évaluation correcte dans temps ça
si nous nous gagnons déficit au niveau éthique, comment pour nous capable arriver kembe? Nous conclut réflexion ça avec une intervention très intéressante que cardinal Oscar Rodriguez Mariaga dans livre avec réflexion par François dans ligne avec réflexion par François avait fait. Problème économie actuelle là pas qu'à résoudre les nous considérer seulement produits domestiques bruyants, déficit public là ou soit n'importe l'autre indicateur macroéconomique. Nous t'es bien clair que plus gros déficit a, c'est déficit éthique. Éthique là configurer moun nan et puis yo ba yo pas qu'à exclu li même nan globalisation ou soit nan pou nan géopolitique. Nouveau l'ordre mondial là pas qu'à bâti en dehors de éthique et puis réduit à un simple ordre économique. Nan évolution cosmos là apparence moun yo coïncide ak origine moralité. Naissance moun nan ale men an men ak moral. Nan l'autre mot, se vale yo ak reg éthique ki dwe garanti. Se pou la vi moun, vin moun. Objectif tout éthique se configurer l'humanité. Le yo manke respect pou la vi, justice, liberté, égalité dans le développement humain nous dit que la vie moun vin inhumaine. Exigence éthique yo qui exprimé dans droit moun ak nan valeur morale permet moun nan réaliser la vie nan dignité. Li commune pour nous dit que humanisation permet moun nan vin yon moun. Ça veut dire que yon moun doit exprimer niveau moral li comme moun. Ça c'est pas yon opinion individualiste concernant moun. Là où c'est yon moun ou développer tête ou comme yon moun qui unique, comme yon sujet qui libre et responsable ou exprimer yon moun ou yea nan action intersubjectif qui c'est respect, justice et bienveillance à constituer yon société unie et solidaire. Côté nan recherche ensemble bien commun nan moun nan existe dimension tant kou singularité altérité sociabilité c'est pas un seul moun mais c'est tout moun c'est nous tout li pas assez pour faire face à que certaines dimensions moun nan mais faut nous considérer moun nan dans tout aspect la vie li yon économie qui bâti sans yon anthropologie c'est une économie ka ki tuye. Faut nous considérer moun nan dans son entité, dans son entier. Pape Paul VI définit développement natif natal comme promotion pour tout moun. Pour théologie morale catholique, l'essentiel tout pour comprendre c'est yon moun nan anthropologie chrétienne sous principale réflexion éthique nou an. Réflexion théologique sous moun nan riche en pile. Yon catégorie premier appliqué dans Trinité Saint pour expliquer relation qui gen entre papa petit là avec l'Esprit Saint. Moun ka apprendre nan men bon Dieu pour vinn yon moun. Nous reconnaître dans la foi que moun nan te créé à l'image bon Dieu par propre façon par li image ak ressemblance, remen ak racheté par Jésus après ak relé yo participer dans communion. Ça c'est une raison qui fait moun nan gen yon dignité qui intrinsèque à lui-même, qui habite comme moun. Ça fait yo doué bali valeur ak respect et que sans aucune raison pas ta doué violer ni par l'homme lui-même ni par l'autre moun. Nous ka conclu que moralité doué garantir dignité, doué dignité au moun, ni doué soit les li agi comme yon sujet ou soit les li c'est objet dans action qui concerne tout moun. Dans l'autre mot, raison pour toute éthique doit reconnaître, bâtir, honorer moun. Divers commandements, décalogue, cela seulement fait réfaction sur le commandement qui référait à bien moun. Tant qu'il y a une collection multiple bien qui connotait identité dans le spirituel, dans le corporel, dans la relation avec mon Dieu, dans la relation avec l'autre, dans la relation avec le monde matériel. Alors, première solution que nous-mêmes
nous gagnons pour Haïti aujourd'hui. Qui stratégie, qui ça moi qu'a suggéré en termes de stratégie pour un nouveau lancement côté liberté, fraternité, égalité, vin tourner un paradigme pour développement pays ça. Haïti fondé sur un paradigme éthique très fort sur liberté, égalité, fraternité. Et tout problème nous fondé sur trois questions ça. L'incapacité de vivre libre, l'incapacité de reconnaître l'autre comme un frère, l'incapacité de comprendre que nous sommes tous égaux. Ça veut dire nous avons même droit. Si nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à la santé, nous avons droit à avoir une maison, nous avons droit au travail, nous avons droit à vivre en paix. Ça veut dire si moi-même j'ai droit ou même j'ai droit nous-mêmes nous avons droit, ça veut dire une société doit fonder sous base éthique ça yo. Alors nous-mêmes qui n'a pas de forme non pour nous terminer rencontrement aujourd'hui, non chaque monde a essayé respecter une minute et demie, deux minutes, dim qui stratégie ou est possible pour un nouveau lancement côté liberté, fraternité et égalité vin tourner un paradigme pour développement Haïti. Bonsoir. Bonsoir Myrlène. Qui sont dans ouais, dans ça? Ah, pas vraiment dans le sens au dire, mais plutôt un point qui était vraiment attiré l'attention tout à l'heure, c'était slogan. On t'a parlé mm-hmm. d'un slogan qui c'est Haïti que nous voulons. Haïti que nous voulons. Haïti que nous voulons et gagner une demoiselle, je crois que c'est Naïka qui était intervenue là-dessus. C'était genre vraiment super ce qu'elle avait dit. Mm-hmm. En fait, ça fait suite à ce que avait dit, je crois que c'est Mackinson mm-hmm. qui t'a parlé de pourquoi il faut que nous focus sur, par exemple, si nous déléguons un si pouvoir, nous pouvoir. Mm-hmm. que nous reposer sur, uniquement sur ça que pouvoir ça prend le fait, ce que moi-même, moi, pas tout à fait d'accord, mm-hmm. parce que Haïti, comme on dit ça, c'est Haïti PAM, c'est Haïti PO, c'est Haïti PALI. Mm-hmm. Donc, c'est disposé un travail d'équipe. Moins fait ça ou fait ça, li fait ça, nous pas supposé juste voter yon moun et nous chita n'attendre que moun ça, que li fait tout le travail. Par exemple, j'étais en fatra dans la rue et parce que me connais que demain matin, l'État passé ramasser fatra. Pas du tout. Me supposé mettre fatra dans la poubelle ou bien me supposé mettre le côté que me doit mettre. Me supposé faire travail citoyen en tant que citoyen. Me connaît que gen quelque bagage faut moi faire, faut que moi par exemple faut que moi pas jeter fatra dans la rue, faut que moi contribuer à développement zone moins, faut que moi fait ci, faut que moi fait ça. Donc me pas supposé tendre que président qui là pour gouverner toute nation hein, ou bien le plus souvent haïtien confond responsabilité parce que moun n'a pas gen courant la kayli. Li maintenant tête li que président t'a supposé au courant de moi pas gain courant la kay moi et faut que li bay courant la kay moi, ce qui n'est pas du tout le cas parce que nous voter maire, nous voter député, nous voter kazek azek, nous gan pile monde qui responsable genre de pour faire genre de bagaille ça yo, c'est pas wall vraiment wall président. En tout cas c'est juste ça que me t'avais dit, me pas voulait que nous reposer nous uniquement sur le fait que me voter un monde, moi déléguer un monde et que bah li toute responsabilité mais que moi même pas gagné pour me faire à la suite. M'a prend exemple ici là, moi personnellement, c'est haïtienne, m'a pas française. Pourtant moi fait bénévolat. Les gars ont bagaille qu'a fait, mairie en fait appel à des jeunes étudiants, moi participer, c'est un plaisir pour moi pour me participer. Pourtant moi pas nationalité, hein, dès que doit dire bagaille qu'a fait en France, pas regarder moi. Même si c'est pour parfois ça arrive que bénévolat consiste à ramasser fatra dans la rue, je le cache pas, à ramasser mégots de cigarettes dans la rue, je le cache pas. Au contraire, ça fait un plaisir parce que ça contribue à propter la rue, hein. Même si c'est pas pays que lié, mais c'est pays que m'a vive. Donc si côté à propre, li propre pour moi tout. Si gon bagay qui fait dans quartier, li fait pour moi tout parce que c'est dans quartier que m'a vive. Donc m'pa vle que pour haïtien maintenant tête yo que uniquement dès que me délégué au monde, toute responsabilité à
focus sur mon nom et que moi-même me pas gagner pour me faire beaucoup côté pas. Donc me voulais que tout le monde dit que okay, moins concerné, li concerné, Haïti que me voulais, c'est pas président que me va voter en Capfel, c'est moi-même, c'est lui-même, c'est vous-même, c'est action nous toutes qui pourra le contribuer pour faire Haïti que moi-même moins visible quoi. Donc c'est plus point ça qui t'y interpellé parce que me trouvais que c'est très très compliqué. Le plus souvent, mon yo juste dit dans tête yo que voilà, on va le voter un tel, on connaît qu'un tel va le faire ci, va le faire ça, va le faire 10, va le faire date. C'est pas du tout le cas. Déjà, mon a gain 5 ans, c'est très long à l'échelle humaine, très court, pardon. Donc, en 5 ans, parfois, le plus souvent, c'est que nous avons des attentes tout qui hors du commun. Des attentes qui, que nous t'as supposé basées sur 10, 15, 20, 30 ans, nous basées sur un mois, deux mois, dès que une année passée, ça ne t'est voulu, ni pour qu'on a réalisé, donc, on n'a pas bon. Donc, c'est causé politique, causé responsabilité à Haïti, quoi que, on a mal compris le concept responsabilité, un concept déléguer quelqu'un, baillons mon responsabilité, so, ça pas voulu dire pour m'appuyer totalement sur mon ça, pour me connaître que m'gain part de responsabilité, pam, qui pour faire que tout bagaille au marché, en tout cas. Merci, Myrlène, merci, en effet. Et, une seule petite correction. La France, c'est pays où? La France, étant donné que ma vie, oui, je l'avoue, la, c'est pour ça que je fais ça. La France, c'est pays où? Et c'est un plus gros problème que nous gagnons, parce qu'en pile fois, en Haïti, nous avons un problème, nous ne connaissons pas jamais côté nous, nous ne connaissons pas qui est pays nous. Eh bien, c'est ça qui fait, les gens qui sont haïtiens, abdormi, ils rêvent qu'ils aiment quitter le pays, ça va mal. Les gens qui sont bois, ils rêvent qu'ils aiment quitter le pays, ça va mal dans le pays. Ça veut dire, à la fin, nous tournons des étrangers dans notre propre terre. Oui. Nous, c'est petite terre, nous, c'est petite terre, il y aurait le France, il y aurait le Rome, il y aurait l'Italie, il y aurait le Mexique, nous, c'est petite terre. Alors, si nous, c'est petite terre, nous vivons dans une société, c'est devoir nous, pour nous intégrer nous dans la société, pour nous vivre comme citoyens dans la société, pour nous capables porter des valeurs, parce que nous avons notre singularité, notre capacité relationnelle de sociabilité, et ou pas capable de mettre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la parenthèse dans la vie. Ça veut dire, ou pas capable de vivre une vie entre parenthèses, ok? Ça veut dire, la France, c'est pays où? C'est devoir en tant que citoyen pour participer dans toute activité que la France a fait. C'est normal qu'on cache nos Français qui a dit, qui l'a oué dans le pays où? Qui l'a quitté la France? Et c'est ça, c'est une plus grosse réalité que nous-mêmes, nous gagnons comme Haïtiens, peut-être que nous pas valoriser assez. Haïti, c'est une île qui a une énorme richesse interculturelle. Parce que Haïti, c'est l'île de l'unité entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Alors, où c'est franc, où c'est la France qui colonisait, c'est l'Afrique qui travaille, c'est l'Amérique qui portait et fondation. Mais Haïti, c'est une plus belle île qui existait, côté vraiment que Haïti était supposé tourner en ressource internationale de la tolérance, de la non-violence et de l'égalité des hommes. Alors, leur arrivée en France, France n'est pas qu'à jour ou pas dans le pays, parce que lui-même, c'est lui-même qui fait sourire aujourd'hui, parce que vous mangez dans le temps français, ou pas, ou à l'école, vous apprenez tout ça qui est dans la France, vous avez montré ça qui est en Haïti. Vous montrez tout ça qui est dans la France, dans l'école, vous montrez même élocution, toute analyse, toute la littérature française, je montre Rousseau, je montre Voltaire, je montre, ou pas même connaître auteur haïtien ou bien vrai. Ça veut dire, tu es, même par ton éducation, ou c'est française. L'arrivée, leur manger, ou pas l'école, là, ou sont bons africaines. Ça veut dire, nous, c'est une île côté, nous pas supposé vivre avec préjugés. Si on monde préjugé contre nous, c'est ignorance pâle. Mais vous-même, faut arriver à dépasser 4 préjugés parce que malgré que tu es noir, tu es belle, parce que tu es la synthèse de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. Et c'est ça que Haïti supposait qu'on est pour capable revaloriser tête-li comme l'île de la liberté, l'île de la fraternité, l'île de l'égalité. Et joue, nous comprendre ça.
Et tout Haïtien, chaque Haïtien, mettez main en Haïti pour nous dire, on nous suspend, déchire nous, l'un avec l'autre, on nous baille tête nous, valeur que nous méritons comme monde, on nous garde frère qui boit côté de nous, qui frère vrai, pas tant qu'on y a ennemi, on nous garde pays moins, tant que c'est pays, la patrie de Dieu, côté bon Dieu, décider que gain unité, gain non-violence. Haïti t'a tourné une ressource pour l'humanité. Alors c'est ça que chaque Haïtien doit mettre en tête yo pour nous commencer en dans la caillou, combattre la violence, combattre les préjugés, les discriminations raciales. Commencer pas maintenant pas parce qu'on ti moun fait li orphelin qui fait li obligé rester avec. Li pas obligé parce que c'est frère lié, c'est petite famille liée, li supposé gen même éducation avec, li supposé gen même soin, même protection. Nous tous, nous c'est frères sous tes ça. Elle dit moi crois que c'est en réalité pour nous arriver chercher solution, chercher stratégie parce que il ne s'agit pas seulement comme nous dit et pas seulement faire slogan ni pas faire slogan. Un slogan doit sortir, après un slogan nous doit trouver une théorie, après une théorie nous supposer arriver mettre joindre des stratégies pratiques pour nous appliquer Alors si slogan là faut nous joindre un slogan qui solution pratique que nous pral développer pour nous capable bali une image pour nous capable bali une forme pour les capable tourner une réalité parce que tout pays quel que soit le communisme, le capitalisme, le socialisme, tout fondé sur des théories. C'est là l'école fin appliquer, fin mettre théorie sous pied, tu on yo pas de moyen pour appliquer, pour voir qui résultat qui bail. Mais nous même en Haïti, nous jusqu'à présent n'a fonctionné sur la magie. On baguette magique, on fait non, il faut être scientifique. Faut nous arriver parce que nous sommes peuple qui étudie en pile, nous sommes peuple qui est intelligent. Nous arrivons dans n'importe quel pays, nous devons apprendre la langue pour nous, tant que nous écrit français à mieux que le français. Ou arriver au Mexique, Mexique a posé une question, comment on fait à écrire un texte qu'on écrit sans faute grammaticale et eux même ils font pas quatre fautes. Parce que nous sommes peuple qui intelligent, qui ouvert. Nous sommes peuple qui ouvert parce que nous sorti nos origines nous sont origines vraiment multipliées. Et faut nous valoriser tout ça. Faut nous valoriser. Haïti c'est Haïti qui permet à l'Amérique du Sud gagner indépendance. Souvenez la caille si jodi yo pas oh non yo pas considérer nous comme rien parce que Haïti tellement gagne misère le nouveau Mexique le nouveau Brésil la bagaille yo garder nous comme de classe inférieure nous qui vle parce que nous pas peut-être nous pas respecter tête nous assez nous pas valoriser tête nous assez nous suppose sûrement nous quitter préjugé ou faire nous faire tête mais fort en brésilien les rencontrer nous faut ta descendre chapeau pour dire nous bonjour parce que c'est nous qui fait gain indépendance c'est nous qui fait c'est nous bail en pile nation indépendance c'est nous fait en pile c'est nous bataille pour en pile nation reconnaître l'égalité des hommes l'égalité des peuples ça veut dire ou pas qu'à ignorer soyer mais pour pas ignorer soyer faut qu'on soyer alors vraiment me souhaiter nous un bon après-midi nous parler assez aujourd'hui on a fait mes plans là que association nous sommes directeurs responsables à faire avec des jeunes et de toute Amérique latine pour nous penser sur une façon et penser Brésil comme un leader en Amérique latine et aider l'autre pays. Ça fait pas tellement dans cette ville-là, mon petit zone reculée. C'est les autres ça qui fait des difficultés internet. Non, pas c'est Julien Waldi, c'est haïtien, nous sommes cap haïtien. Et nous avons 13 ans ici au Brésil. Nous avons madame petite ici et nous sommes filiés des travailleurs et qui c'est deuxième plus gros parti politique mondial. Nous sommes directeur exécutif Union des jeunes socialistes et mais qui dirigé presque par des politiciens brésiliens. Et nous sommes un monde qui de gauche. Ça c'était premièrement l'intervention et madame
Je suis chère Annecy, chère Salésienne de Don Bosco. Annecy, et chaque monde qui était participé était bal opinion par eux. Pour moi, mon opinion qui est un petit différent, et m'a toujours dit que l'homme est égoïste, c'est naturel, c'est-à-dire c'est à la jeunesse pour qu'il prenne destin ou homme. Par exemple, il y a des gens qui ont baguette là dans mail cap accepter ouvrir mail pour partager ça gain à l'autre monde qui pas gain au contraire c'est des possibilités et pour le faire plus la fait plus il c'est minime ça qui accepter partager ça fait nous dit que son minime qui pas presque existé ici et au Brésil surtout ma vie dans zone qui stratégique pour le Brésil qui c'est contre la frontière et zone de ma frontière avec le Paraguay l'Argentine et le Brésil calculer les forces de Iguaçu c'est-à-dire son zone qui économie et des pays en pile. Vous comprenez? Et la jeunesse, et par exemple, en dedans là, on a plusieurs tables. Il y a une table côté jeune, il y a parlé de technologie, comment on peut faire pour nous produire technologie, pour ne pas importer technologie. Des jeunes qui ont fait politique, qui ça nous fait pour nous faire l'autre politique qui est plus participative. Côté monde qui peut participer et l'autre pays qui a participé. Il y a des jeunes qui sont des jeunes en santé. T'as regardé qui ça au café pour que eux-mêmes ils commencent et bien des centres de recherche pour que eux-mêmes ils viennent censés détenteurs de production de produits de la santé. Ça veut dire parce que chaque trois mois nous faisons des séminaires ça côté nous chita un groupe de formation et puis c'est ça nous café pour développer zone nous, développer pays côté la vivre là, et parce que côté la vivre là, c'est pour nous. Et c'est un étranger parmi eux, et haïtien parmi eux, et qui a coordonné tout ça. Pour qui ça, ces jeunes qui sont responsables Haïti, et nous avons une question que, sans supposer manger aujourd'hui, de ça, pour vivre, nous accepter vivre avec paix, Haïti nous manger. De peur que yon moun pa retire vin. Tout bagay, même le moun nan, pa gen katon nan bagay pou retire la kay nou, parce que si nous même qui jeune, nous accepte. Le nou immigre, nous pour l'autre côté, tout important, se sent ou gagnant, ou pas se sent ou perdu leur premier vivre. Qu'on a souvent mettre épaule ou, et tête sous épaule ou, pour chercher intégrer société ça, pour vin, pour connaître qui sont comme objectif, pour réaliser, m'bon ça comme garantie seulement main d'œuvre, gens et capitalistes en fait là. Capitalistes créé pas seulement pour développer, mais créé pour rendre que moun ki riche yo toujours dominé et moun ki pauvre toujours plus pauvre. Li pral garantir en quelque sorte ça va toucher ya, li seulement ka survie à loyage et pas même ka bon manger. Pour toujours bon obligation pour travail, ça vient faire en sorte même sou malade pou pral travail parce que ou gen bill pou payer. Il garantit que rete dans condition ça parce que li besoin main d'œuvre. Et nous te parler tout de question de économie et dans système international. Comme étudiant finissant en relations internationales, pour moi même, il y a un plus gros problème que le monde a gagné, c'est le système international. Parce que l'économie internationale est créée pour garantir que les pays plus riches continuent à exploiter les pays plus pauvres dans le sens de l'universalité des choses. L'ONU dit, les États-Unis font, c'est acceptable. Les États-Unis ont fait la Russie contre le carré, Yoshita, ils débattent, ils séparent, ça peut séparer, puis ils continuent à faire deux. C'est-à-dire, entre les grandes puissances, ils ont seulement discuté entre eux, ils ont seulement contredit l'air qu'on senti que l'IPA, obligatoirement, l'air qu'on senti que l'intérêt que l'autre a gagné, est plus que ça lui-même l'a gagné. Nous-mêmes, comme jeunes, nous avons comme un devoir moral pour nous chercher à comprendre que ce système n'a fonctionné. Lorsqu'on cherche à comprendre que ce système fonctionne, nous allons éduquer ou rééduquer les gens qui sont nous, les jeunes qui sont là, les familles, les haïtiens par nous, pour nous censer commencer à montrer que le système n'a pas fonctionné, je nous pense. Parce que ou seulement qu'à changer un bagage, là, on a un problème. Ou pas qu'à chercher faire résolution un exercice, sous pourquoi ouais qui difficulté ou gagner dans l'exercice là. Ça veut dire, nous commençons, qui c'est le travail ça que Radio Télé Solidarité a fait, nous supposons poser problème,
penser sur problème yo, nous identifier problème yo, là nous fini identifier problème nous, nous chercher des éléments de solution de, ou des éléments de réponse à problème non, nous fait tentative à éléments de réponse là pour nous garder est-ce que ça nous penser en réalité c'est solution pour ça. Si nous sentons tentative le marché, nous pas formaliser, le formaliser qu'on a nous pas projeter comme un projet. Et puis, nous travaillons sur le projet ça pour nous rendre le projet plus compétitif. Si nous sentons que cette tentative que nous ne faisons pas marcher, nous pouvons penser sur l'autre élément de solution. Et c'est ça que les jeunes haïtiens doivent faire. Et que c'est ça nous-mêmes, comme Union des jeunes socialistes, n'a fait. N'a pensé actuellement là, quel autre système économique nous avons commencé à penser qui supposait et installer dans le monde, puisque le capitalisme a échoué. Tout le monde a échoué. Tout le monde est capitaliste, c'est un système qui l'a pour peser pour un pauvre. Nous sommes facilité les multimillionnaires et les multi-entreprises. Vous comprenez qu'on a nous-mêmes nous dit, est-ce que nous pas capables son système? Certes, nous sommes étudiants, mais demain, nous avons n'importe qui. Idéologie, ça que nous avons pensé jeudi. Si nous passons de bouche à l'oreille, de génération en génération, nous disons qu'en réalité, vous comprenez qui se jette. Qui sont avec nous qui n'a pas remercié toute panélisio, n'a pas remercié frère Buteau qui était bonne opportunité de dialoguer sur sujet ça qui intéressait nous et que nous pensons que Genio va continuer réfléchir pour chercher solution tant que dernier intervenant se dit que nous obligés chercher des solutions, nous obligés créer des stratégies pour nous capable faire un plan, pour nous capable vivre un plan de développement qui permette nous-mêmes nous vivre tranquille et qui permette nous créer tranquillité dans le monde là. Nous remercions Mylène pour présence là, Naïka, Stéphanie, Richel, Vincent et Hubert qui parle encore. Nous remercions Mackinson, nous parlons encore. Et toute l'autre jeune qui était connecté que nous pas arrivé à cause de problème réseau. Et nous souhaitons nous vraiment un bon dimanche pour demain. Bonne fête Christ-Roi, parce que Jésus, c'est le même qui roi sur toute terre. Même si tout le monde a cherché fait puissance, le plus grand, le puissant, le tout puissant, c'est Jésus. Alors, la mandeli pour nous capable bénir nous, accompagner nous dans tout ça nous pour nous faire et pour nous capable arriver découvrir présence bon Dieu dans la vie nous. Et si nous découvrir bon Dieu, nous avons découvert frère action nous yo, et comme ça, nous avons privé vivre en harmonie, nous avons privé vivre dans la fraternité, nous avons privé vivre dans l'égalité et dans la justice et dans la dignité. Nous souhaitons nous bon appétit parce qu'il est midi pour certaines personnes. Et puis, m'a dit nous à la prochaine. Merci frère Buteau et merci à tous les spectateurs qui t'ont écouté nous après-midi, matin, pour certaines, etc. Bye bye. Bon, d'après, merci encore, sœur. Et ainsi, bon. Et que les gens qui me disent non, que bon. C'est, elle est vraiment un grand plaisir pour nous tous. Et elle a fait un travail extraordinaire à travers une vitesse internationale. Et tant pis que si nous besoin, hein, et téléphone, il est lui. Pas hésiter, madame, parce que nous voyons que la pierre pour nous. Après, la pile avec lui. Et même en dehors des sons, la pierre pour nous, la pile avec lui. Depuis que nous remercions chacun là, tant pis, aidez-nous que mes émissions ça. J'ai comme dit, malgré c'est un si qui paye tant. Jusqu'à lui, dans la vie, nous avons plusieurs mois que lui là. Nous saluons pour nous faire un enchant. Et longtemps, nous avons bousqué une loi. Loi mentale qui pour dire fierté nous. Dignité pour tout frère nous yo. Dignité pour toute yon nation même aspiration, même devise, même croyance. Nèg sa yo rele peyizan, nèg sa yo rele prolétèr, nèg sa li menm li se gran nèg. Nou tout
ces mêmes enfants yo, petit messier vêtier yo, neg yo qu'avance là, neg yo qu'avance là, si oublié hypocrisie, si yo vle détruit jalousie, pour yo construit un pays, bâti en nation, sous chemin développement. Yon pays kap lite, yon pays kap chante, yon pays kap mache, cherche vérité. Yon pays kap lite, yon pays kap chante, yon pays kap mache, cherche vérité. Mais c'est qui est-ce qui compte chimayan, qui va dire nous, qui côté nous praler? Mais c'est qui est-ce qui gagne flambeau ou cap clairé chimayan pour ne pas constitution, et ça y'a même qui adopte li, et ça y'a qui voye jete, gen l'autre y'a qui prend li bafoué li, messieurs y'a prêché l'union, mais que y'a trop vie passion, nèg y'a vle loi pour justice, en pile là y'a c'est anarchiste. Yon pays kap lite, yon pays kap chante, yon pays kap mache, cherche vérité. Yon pays kap lite, yon pays kap chante, yon pays kap mache, cherche vérité. Mais c'est qui qui compte chimayan, qui va dire nous, qui côté nous praler? Mais c'est qui est qui gagne flambeau ou cap clairé chimayan pour ne pas Bâtir